نور جود مورنينغ. احسن حاجة صباحا بعد صلاتك تعمل كارديو وبعد تمشي للدار. قبل ما تمشي للدار تعطيها غطسة. نعم هذا هو الجو الحالي. هب. نعم تفكر بعد صلاتك روح دير كارديو. J'ai un peu, ensuite ça va être une séance d'abdominaux. Ok, voilà, allez, let's go. Après un quart d'heure de deux heures, j'ai fait deux heures aujourd'hui, je suis toujours à jeun. Zelli Saim, la terre Bratsov et ma berthe. Hein, ça s'appelle ça de la cryothérapie. Continuez, voilà. Let's go. Ma belle, il fait très froid maintenant, ça va faire une séance d'abdominaux. On va entraver les abdominaux, d'accord? Allez, qu'est-ce que tu veux? Voilà l'endroit où je vais faire mes abdos. Là, sur la serviette. Ok, let's go. Salut à tous, salam alaikum. Hey guys. Voilà, je vous ai fait une grosse séance d'abdominaux au matin, au bord de la mer. Oui. Bref, prenez bien au sérieux et en considération ce que je vais vous dire. Évitez de toujours les faire. Je veux dire de faire les abdos tous les jours. Bien au contraire, tout se joue sur ta diète. Si tu as une bonne diète, crois-moi que tes abdos apparaîtront. Ok ? Car la plupart des gens, ils pensent qu'en faisant les abdos tous les jours, ils vont apparaître. Et c'est faux, c'est la diète, croyez-moi. Pour les personnes qui ont du gras, si vous apprenez à faire des régimes stricts et tout ça, sachez que vous avez des abdos, d'accord? Donc voilà, j'ai fait un ensemble d'abdos. Je voulais simplement casser la routine et vous montrer ce que je fais pratiquement dans mon quotidien. Aujourd'hui, c'était les abdos et les obliques, aussi bien suivis de vacuum. Mais voilà, je l'ai fait à jeun, c'était après mon footing et après ma séance de cryothérapie qui était la natation en plein matin. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire? Évitez et encore évitez de les faire tous les jours. Car vous savez très bien que les abdominaux, c'est un muscle. Ça grossit comme les pecs, comme les jambes, comme les épaules, comme tous les muscles. Donc pour éviter ça, je vous conseille de faire deux fois par semaine, il est largement suffisant. Beaucoup de gens me disent, Youssef, tu as des beaux abdos et tout ça, tu les fais tous les jours. Eh ben non, croyez-moi, c'est génétique. Donc voilà, tout se joue sur la diète, comme je vous ai dit. C'est la raison laquelle, voilà, j'ai des très bons abdos qui sont, on va dire, bien tracés et en même temps bien formés. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est génétique. Elle, c'est Stella. Stella qui est en train de rôder près de moi et qui ne me laissait pas tranquille. Donc voilà ce que j'allais vous dire. Voilà, vous avez vu, j'ai fait les obliques, j'ai fait les abdos. Et à la fin, vous allez voir, je vais faire le vacuum. Et oui, je travaille toujours le vacuum pour pouvoir maintenir toujours mon ventre. Parce que parfois, quand vous savez, nous les bodybuilders, quand on lâche le ventre, on dirait qu'on a un gros ventre. Mais en réalité, voilà, ce sont les abdos qui ont grossi, tout simplement. Donc voilà, chaque fois, je fais ça. Ça, c'est ma routine. D'accord? En tous les cas, un gros salut de l'île de Lipsos, en Grèce. Tahiyati. De ma routine du matin, les abdominaux, le vacuum, voilà. C'est pratiquement tous les jours comme ça, je fais tous les jours comme ça. Si vous voulez avoir une bonne ceinture abdominale, je vous conseille de le faire toujours à jeun au matin. Always doing in the morning fasting. Every day your abs and obliques and at the same time the vacuum. Ok, I am close to the sea, nice air, nice sea. What did I expect? Nothing. Anyway, see you soon. It was my routine morning.